my life so beautiful. I give you all the praise. Hey, I give you all the praise, Jesus. I give you all the praise. Hallelujah. Rakamosataya mama. Rakamosataya mama. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hey, give you all the praise. Yes, I give you all the praise. Come on, la régie, augmentez-moi la musique. Hey, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Hey, 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 hey. Alleluia. The praise, I give you all the praise. Yes, I give you the praise. Nous élevons le roi des rois. Partagez sur le groupe chat les 70 jours. Yes. I give you all the glory. Hey, 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 hey. Yes, alléluia. Nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des Seigneurs. Hey. Hey, comment partager, hein? Moi, je ne vais pas vous demander de partager. Partager. Yes, nous revenons dans deux minutes pour que vous partagez. Soyez bénis. Don't blow. Jesus, give you all.
soul longs for you. In the morning, in the night time, I give you all the praise. Everything I say, in everything I do, let you know me. Hallelujah. Sweet, sweet holy praises in this cold. Hallelujah. As we lift our voice in worship, and we give you all the praise. Shalom à tous les connectés de 70 jours. Shalom to all the connected of 70 days. Shalom à tous ceux-là qui sont là depuis le premier jour. Shalom to everyone who's been there since the first day. Et ceux qui continuent à nous rejoindre. And the ones who continue to join us. Et qui sont fidèles aux heures de prière. And they are faithful to the time of prayer. Et à tout ce que nous sommes en train de faire. To everything that we are doing. Que le Dieu des armées, the God of our hosts, celui que nous sommes en train d'élever, the one who are lifting up, soit vraiment votre partage. Will really be your share. La Bible dit qu'un héritage délicieux nous est échu. The Bible says a delicious heritage is our une share. Belle possession nous est accordée. A good possession has been accorded. Et c'est le Seigneur qui a notre coupe dans sa main. And it's the Lord who has our cup in his hands. Et dans cette coupe, il y a tes bénédictions. And in this cup, there is your blessing. Il t'a béni de toutes les grâces. He has blessed you with all the, il t'a all béni de toutes sortes de bénédictions. And he has blessed you with all type of blessings. Et cela spirituel dans les lieux célestes. And that spiritually in a high place. Je vous assure, je suis en forme. I'm sure you, I'm really in top form. J'ai eu le temps d'être dans la présence de Dieu. I had the time to be in the presence of the Lord. Et puis j'ai eu le temps de rester vraiment me reposer. And I really had the time to rest. Voilà, je suis là en forme encore here ce I am, soir. I'm really top form. Je suis sûr que le Seigneur est en train de vous faire beaucoup de I'm bien. I'm
sure the Lord is truly doing you good. Ouais, nous avons des témoignages. We have testimonies. Le Seigneur continue à faire du bien à des vies. The Lord is continuing to do good to lives. Et nous savons qu'il va continuer. Nous avons encore du chemin avec lui. And I'm sure he's going to continue because we have a way, a long way. Alléluia. Amen. Voilà le thème de notre travail. The theme of our work. La destruction des autels sataniques. The destruction of evil altars. Et des réclamations spirituelles. And spiritual claims. Depuis le premier jour. Since the first day. Ah, on dirait que j'ai encore envie de danser. On dirait que j'ai encore envie de. Nous allons l'élever avant d'entrer dans la parole. Je vais demander à la régie de m'aider. Comment recommencez-moi la chanson? Alléluia. Yes, alléluia. Come on and lève-le. Lift him up. Il y a une grâce glorieuse. Vas-y, lève-le. Yes, lift him up. Alléluia. Danse avec moi. Dance with me. Pour le Seigneur. For the Lord. So many things to do. Yes. There's just all around me. Alléluia. Voilà, je reviens. J'étais en train de dire. Here we go, I was saying.
Si tu fais partie de la catégorie, if you're a part of the category, de ceux qui ont le souci de vivre une percée dans leur vie, the one who wants to have the worry to live a breakthrough in their life, et qui veut voir le progrès, and they want to see progress, surtout dans la vie spirituelle, especially in the spiritual life, c'est-à-dire dans la communion, dans la croissance avec le Seigneur, in communion and in the growth, c'est 70 jours. The 70 days sont bons pour toi. Are really good for you. Parce que nous avons non seulement des connexions live, we just not have some live connection, mais nous avons aussi des Zoom meetings, but we also have Zoom meetings dans lesquels nous continuons avec ce que nous ne disons pas à la télé. In which we continue to say things that we're not saying on TV. Et nous prenons aussi du temps dans la prière. And we're also taking time in prayer. J'avais dit ceci. I said this. Connaître les stratégies, knowing the strategies, de l'adversaire, of the adversary, c'est avoir de l'avantage sur lui. It's to have the, advantage upon him. Nous sommes comme l'aigle. We're like eagle. L'aigle ne résout pas les problèmes dans le même terrain que son ennemi. The eagle never resolve issues in the same place as his enemy. Alléluia. Amen. L'aigle ne va pas sur la plateforme de son ennemi. Eagle never goes to the platform of his enemy. Et va combattre à cet endroit-là. And goes to fight in that Je place. Découvre que l'aigle. I discovered that eagle. Prend l'ennemi outside his zone of comfort. Take his enemy dans son zone qui Il enlève l'ennemi de sa zone de confort. Then he takes his enemy out of his comfort zone. Lorsque tu es en train de jeûner. Because you are fasting. Lorsque tu es en train de prier. And when you are praying. Tu es en train de mettre tout ce qui te dérange mal à l'aise. You are putting everyone who tu es en train de mettre leurs... C'est-à-dire que tu les mets mal à l'aise. You're making them uncomfortable. Tu es en train de les mettre mal you are à making l'aise. Them uncomfortable. Lorsqu'il les, il les enlève de leur zone de confort, when he take them out of their comfort zone, il emmène son ennemi sur sa zone à lui de confort. He take this enemy onto his Mandala place of comfort. Je dis encore, l'aigle enlève l'ennemi I said the eagle takes out his enemy de sa zone de confort, out of his comfort zone, et l'emmène dans sa zone à lui. And take him Alors, pendant place. Que tu jeûnes, so while you are fasting, pendant ces 70 jours, the 70 tu es en train de d'emmener les choses à ta zone à toi. You are taking things in la zone de confort de ton Dieu. Your zone of comfort la zone de confort là où se trouve le Saint-Esprit. The zone of comfort zone where is the Holy Spirit. Là il y a la puissance de l'Éternel. Et c'est là que les choses prennent place. That's when things are taking place. C'est là que tu ramènes les choses à leur place. That's when you're taking things back to his place. Voilà, c'est là qu'au nom de Jésus, that's in the name of Jesus, tu brises tout ce qui dérange. You are breaking everything that's worrying tu your déclares life. Les oracles de l'Éternel. You're declaring oracles of the Lord. Alléluia. Amen. Et cela au nom de And Jésus. This in the name of Jesus. Nous venons de très loin. We're coming from very far. Nous sommes en train d'entrer dans notre quatrième semaine. We're going to enter in our fourth week. Exactement dans 5 minutes. Exactly in 5 minutes. Nous entrons dans 4 semaines. We are entering our fourth week. Ça sera exactement 22 jours. It's going to be exactly 22 days. Sur 70 jours. On the 70 days. Alors pour ce que nous avons déjà fait. So for those who have things we already done. Et que ce que le Seigneur a fait. And the Lord have done. Je veux que tu te lèves là où tu I es. I want you to stand up where you que are. Que tu travailles en collaboration avec moi. That you work in collaboration Participe with me. Avec moi à partir de cet écran. Participate with me and through the screen. Élève ta voix et commence à lui dire merci. Lift up your voice and start saying thank Utilise you. Utilise tes propres paroles. Utilise your own words. Utilise word. Tes propres mots. Utilise your own words. Parce word. Que nous allons prendre le quatrième escalier. Because we're gonna take this, et nous allons introduire et mettre la base de la parole. And we're gonna put the base Avant of the d'y entrer, Before vas-y, dis merci. Start saying thank Écris you. Un disque à ton Dieu. And write a disque. Écris des paroles à ton Dieu. Write words si tu es capable God. De faire un poème, If you're capable vas-y, to write dis un poème de remerciement à l'Éternel. Just read a poem of vas-y, élève ta voix, commence à lui dire merci. And lift up your voice, thank Fais-le you. Avec moi. With J'ai entendu un homme de Dieu dire, I heard the man of nous God allons saying, faire des adorations thématiques. Vas-y, fais une adoration thématique. Alléluia. Amen. Et vas-y, parle au Seigneur. Speak to God. Sois précis. Dis-lui merci. Tu m'as libéré. Tu m'as pardonné. Tu m'as révélé ce qui se passe dans ma famille. Ce qui se passe dans ma vie. Vas-y, dis-lui merci.
Parce que je suis arrivé à ce niveau. Dis-lui merci. Je ne savais pas que je pouvais arriver à faire 4 semaines. Mais j'y suis arrivé. Je voudrais te dire merci pour la paix que tu m'as donnée. Je voudrais te dire merci pour la joie que tu m'as donnée. Vas-y, dis-lui merci. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la sanctification. Merci pour le message prophétique. Merci pour la puissance de la parole. Et cela de la parole de connaissance. Tu m'as révélé, oh Dieu de gloire, des choses que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je peux t'exalter. Aujourd'hui, je peux te louer. Aujourd'hui, je peux te célébrer. Voilà pourquoi je te célèbre cette fois. Je te célèbre dans ma maison. Je te célèbre dans ma maison. J'élève ma voix pour les enfants. J'élève la voix pour le foyer. J'élève la voix pour ma santé. Seigneur, j'étais malade il y a 3 semaines. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci pour le miracle que tu apportes à ce ministère. Je voudrais te dire merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les portes aussi que tu fermes. Tu fermes la bouche du dragon. Tu fermes la bouche du crocodile. Tu marches sur les serpents. Tu marches sur les scorpions. Et la puissance de l'ennemi ne peut rien contre ma vie. Merci au Dieu fidèle. Car l'enchantement et la sorcellerie ne peut rien contre nous. La connaissance que tu nous permets d'avoir, c'est pour notre bien, Seigneur. Mais pour savoir comment prier, pour savoir comment prier, oh, nous t'élèvons, roi des rois. Vas-y, élève-le, alléluia. Vas-y, dis-lui merci. Je veux que tu sois reconnaissant. Sois reconnaissant, alléluia. Sois reconnaissant, alléluia. Sois reconnaissant, alléluia. Hosanna, hosanna. Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, gloire à toi, ressuscité. Hosanna, gloire à toi, tu n'as pas changé. Hosanna, hosanna. Voici, nous entrons dans la 4e semaine. Nous le faisons avec toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur, toi qui révèles Jésus, vas-y, entre avec nous dans cette nouvelle sphère, oh Dieu, dans cette nouvelle dimension. Esprit de la grâce, esprit de vérité qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, toi qui as récabossé, toi qui as permis au Dieu, à la Vierge d'enfanter un fils, à qui elle donnera le nom de Jésus, sois élevé, Seigneur. Marche avec nous, marche avec nous, marche avec moi. Dis-lui, Saint-Esprit, sois cette colonne de feu, sois cette colonne de nuée qui marche avec nous. Cette 4e semaine, la dimension où nous entrons, c'est la dimension des héros, c'est la dimension des vaillants. Nous avons besoin de toi, car c'est avec toi que nous allons faire des exploits, car c'est avec toi que nous allons remporter des victoires. C'est toi qui écrases et cela nos ennemis. Oh Saint-Esprit, tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Seigneur, entre avec nous dans cette 4e semaine. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Oh, que le vent souffle. Qu'il souffle des 4 vents. Qu'il souffle des 4 vents. Au nord du monde, au sud du monde, à l'est du monde, à l'ouest du monde. Esprit des 4 vents, souffle, alléluia. Localise tes enfants. Localise ton peuple. Donne-leur la force. Donne-nous la capacité de pouvoir toucher ce que nous devons toucher dans ton autorité, par ta permission, et délivrer des vies, ouvrir les cadenas qui étaient fermés, Seigneur, les portes, les prisons qui étaient fermées au Dieu, et que cela s'ouvre. C'est
besoin là, tu as besoin de force. Donne la force du buffle à ceux qui en ont encore besoin. Car ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par la force, mais c'est par ta puissance. Esprit de Dieu, localise ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui sont de l'éternel. Remplis-le de ta chair, remplis-le de ta puissance. Manifeste-toi. Agis en ce jour. Agis cette semaine. Agis pour le reste de ta vie. Localise Dieu. Tout ça pour les qui on est en train de prier. Yahweh, détache leur vie. Détache leur âme de la prison. Là où on les a placés. Afin qu'ils te servent. Au nom de Jésus. Vas-y, commence. Prie avec moi. Prie avec moi. Implore la présence de le Saint-Esprit descende sur toi. Que le feu de l'Esprit te touche de la tête aux pieds. Demande-lui ce soir. Ouindule ma tête. Vas-y, dis-lui, ouindule ma tête. Seigneur, ouindule ma tête. Que ma coupe déborde. Que je déborde dans la prière. Je déborde dans la force. Que je déborde dans la puissance. Que je déborde, Seigneur. Renouvelle mes forces. Que ce soit comme si je viens de commencer. Seigneur, fortifie mes mains. Fortifie mes genoux. Fortifie ma force. Donne-moi la capacité de prier. De prier. Oh, ma. Hosanna. 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 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Blessed be the one who comes in the name of the Lord. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Bienvenue dans cette quatrième semaine. This fourth week. Alléluia. 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 Dans cette quatrième semaine. In this fourth week. Nous voulons maintenant entrer dans le domaine des réclamations. We now want to enter in the domain of claims. Nous sommes dans Luc 22. We are in Luke 22. Le verset 31. Verse 31. Le verset 32. Verse 32. Le verset 33. Verse 33. Voici ce qu'il est écrit. This is what it says. Nous lisons la parole de Dieu. And we're reading the word of God. Le Seigneur dit. Lord said, c'est le Seigneur Jésus. Is the Lord Jesus. Il dit Simon. He says Simon. 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 Satan vous a réclamé. Satan has asked you. Pour vous cribler comme le froment. Saved each of you like sweat, like wheat. Mais j'ai prié pour toi. But I have prayed. Afin que ta foi. So that your faith. Ne défaille point. Should not fail. Et toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Je vais répéter cette phrase. I'm going to repeat this phrase. Le Seigneur dit. The Lord says. Simon. Simon. Excusez-moi, Simon. Simon. Satan vous a réclamé. Satan has asked to sift each of you. Pour vous cribler comme le froment. And to sift each of you like wheat. Satan vous a réclamé. Satan has asked. Il vous a réclamé. Has claimed you. My God. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth. It's the Lord Jesus Christ of Nazareth. Il a choisi 12 disciples. And he chose 2 and 12 disciples. Après avoir pris du temps dans la prière. After taking time in prayer. Il les appelle apôtres. And he called them apostles. Ils étaient 12. They were 12. C'est comme si dans cet apostolat. In this apostolat. Il y a des choses qu'ils n'ont appris qu'après. And it's things that they just learned after. Ils ont été choisis. They were chosen. Ils ont été élus. They were called. Portés pour porter un manteau supérieur. To wear this coat and superior coat. Un manteau qui est très fort. This coat that is very strong. Il a choisi de les appeler apôtres. And he chose to call them apostles. Mais il parle au même apôtre. But he's speaking to the same apostle. En parlant à Simon. And he's speaking to Simon. Et il dit Simon. And he says Simon. Il dit Simon, 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 tu sais quelque chose, you know something. Satan, Satan, le diable, the devil, l'accusateur, the
L'accusateur. Alléluia. Amen. L'oppresseur. Le méchant. The wicked, le malin. Vous a réclamé. C'est incroyable quand même. It's incredible. C'est comme si je suis en train de tomber de nuée. It's like I'm falling from clouds. Et je suis en train de lire la Bible. And I'm reading the Bible. C'est écrit dans le Nouveau Testament. And it's written in the New Testament. Ce n'est pas écrit dans l'Ancien it's Testament. Not written in the Old Testament. Pendant que l'Ancien Testament nous révèle beaucoup de choses sur l'autel. La continuité continue dans le Nouveau Testament. Là où nous avons des mots comme réclamation. Il dit Satan vous a réclamé. En d'autres termes, il y a des choses que vous redevez à l'ennemi. Le diable se sent dans le droit de venir vous récupérer. Il y a des choses que vous devez lui redonner. Si je dois définir le mot ou le verbe réclamer, if I need to define the word claim, alléluia, amen. Il y a des choses qui parlent, there are things that he is et cela contre votre vie, and this against your life, qui permet à Satan, to allow Satan de venir se permettre to come allow sur la plateforme où vous êtes avec moi, and the platform where you malgré are que vous êtes me, sur le manteau, even though you are the malgré que vous êtes dans le manteau prophétique, even though you are the prophetic malgré que vous êtes dans le manteau apostolique, you're the malgré que vous êtes un évangéliste, malgré que vous êtes un diacre, malgré que vous êtes ancien de l'église, malgré que vous êtes en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire, Satan se permet de réclamer votre vie. Il vous a réclamé. Il vous a réclamé. Alléluia. Je laisse un peu mon doigt ici. Nous avons parlé des hôtels. We spoke about altars. Quoique dans le domaine des hôtels, even in a domain of altars, il y a encore beaucoup de choses à dire. There are many things to say. Il y a encore beaucoup de choses à révéler. There are many things to reveal. Et nous n'avons pas fini d'apprendre. And we have not stopped to nous learn. N'avons pas fini de connaître. We have not stopped to know. Demain encore, après-demain, tomorrow after tomorrow, le Seigneur va continuer à nous révéler. The Lord will continue to reveal ce dont nous avons besoin de connaître. The things that we need to know. Par l'intelligence spirituelle. By the spiritual knowledge. Je vais te faire un récapitulatif. I'm gonna recap a little bit. Je te rappelle que nous avons dit que l'autel est une surface. I remind you that the altar is a surface. Sur lequel se trouvent des sacrifices. On which is found sacrifices. Et ces sacrifices sont dédiés certainement à une divinité. And the sacrifices are dedicated to a divine. Voilà, l'autel a la capacité de parler. And it has the capacity to speak. L'autel a la capacité de parler. The altar has the capacity to speak. Mais sur ces hôtels, but on those altars, ceux qui pratiquent l'hôtel, ces prêtres, those priests, qui se mettent devant l'hôtel, who are on top of those altars, et qui les baptisent, and baptizing. Non, qui les baptisent, qui les build. And building. Yes, alléluia. Amen. Ils font des, c'est-à-dire des déclarations. They declare words. On appelle ça des imprécations. You call it imprecations. Ils font des incantations. Amen. Ce ne sont pas des prières. These are not prayers. Ce sont des incantations. These are incantations. On appelle ça des imprécations. You call it imprecations. C'est-à-dire ils involvent. Puisque nous sommes en train de parler du monde des ténèbres. Because we're talking about the dark world. Nous parlons des hôtels sataniques. We're talking about evil altars. Nous parlons des hôtels maléfiques. We're talking about wicked altars. Et nous avons dit qu'il y a différentes sources. And we said there are different sources. Alléluia. Amen. Alors puisque nous parlons du monde des ténèbres. Because we're talking about the dark les ténèbres world, sont liées à Satan. And the dark world is, attached to Satan. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des ténèbres, we're talking about the nous voyons darkness, le monde spirituel occulte. We're talking about, nous voyons la sorcellerie. Nous voyons la divination. Nous voyons l'enchantement. Nous voyons l'envoûtement. Nous voyons même la tradition. Surtout une tradition négative. Negative tradition. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, il faut que nous buvions un verre d'eau. We need to drink. Va boire de l'eau. Va boire de l'eau. Moi, just si je veux boire. Water. Va boire. Va boire. Go drink. Go drink. Nous revenons dans deux we're minutes. We're coming back in 2 minutes. Alléluia. Amen. Yes. Merci.
Alors je continue en disant. So I'm continuing to say. Sur ces autels, on this altar, lorsqu'ils font des sacrifices, when they do sacrifices, il se passe quelque chose. It happens something. Ce sont des alliances. These are alliances qui sont contractées. Which are contracted. Alors ils invitent, so they invite des démons, demons, à collaborer avec collaborate eux. With them. Parce qu'en fait, ces imprécations, those imprecations, ce sont des paroles words, exécutoires négativement. Negatively. Ces paroles, on les appelle la malédiction. Alléluia. Amen. On appelle cela curse. Curse. Ces imprécations, those imprecations, ces incantations, ne sont pas des prières qui te sont favorables. They are favorable. Ce sont des paroles words, qui travaillent contre ta vie. Eux aussi dans le monde des ténèbres. Well, ils envoient ces paroles en mission. Well, ils envoient ces paroles vous localiser. Et parfois, ce sont des liens qui datent depuis aussi des générations. Et parce que ça date depuis des générations, et que c'est relâché dans l'atmosphère, c'est relâché dans l'atmosphère, il se passe quelque chose, la contagion qui frappe en plein midi, la peste qui frappe dans les ténèbres, qui sont la représentation des esprits méchants, les oiseaux qui sont la représentation des malins, prennent ces paroles. Take those words. Alléluia. Amen. Ces paroles qui errent dans l'atmosphère. Voilà ce que nous appelons des réclamations. This is what we call the claims. My God. Amen. Et même dans le domaine des réclamations, in the domain of claims, nous parlons des lois, we talk about laws, nous parlons des principes, we talk about principles, nous parlons des choses qui ont été établies. Things that were established. Parce que ça ne marche pas de cette manière-là. Because it doesn't work in that way, il y a une réclamation. There is a claim. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Les autels altars sont la source des réclamations. Are a source of claims. Les engagements engagement que nous avons faits that we have done directement directly ou indirectement or indirectly sont des réclamations. Are claims. Des engagements an agreement, même financiers even financially, parfois des dettes sometimes debt, que nous avons envers quelqu'un that we have towards somebody, qui se sent dans le droit and feel in right, de venir demander ce qui lui appartient. And to come and ask back réclamation. Reclaim. Tu vas voir un féticheur. You go see a, tu vas t'engager avec un divin. And you go, engage yourself with a divine. Ou bien un homme spirituel. Or a spiritual man. Ou une femme spirituelle. Or a spiritual woman. Tu promets. You promise. Tu ne le fais pas. You don't do. Réclamation. Claim. Tu prends des enveloppes. You take envelopes. Pour être très banal. Just to be really surtout banal, dans nos églises. Especially in our churches. Je vous ai dit. I've told you. Il y a certains endroits. There are certain places. Qui sont aussi des hôtels. Which are also altars. Et tu prends. You take. Tu ne respectes pas ton you engagement. You don't respect your agreement. Engagement. Or engagement. Tu vois cette chose-là. You know that thing. Devient aussi une réclamation. It becomes also a claim. Qui devient très négatif. And becomes very negative. Peut-être un membre de la famille. Maybe a member of a family. Avait promis. Had promised. Des choses. Things. Par rapport à l'alliance according qui a été faite dans le passé, mais parce que cela ne se fait pas, réclamation, claim. Réclamation, claim. Et nous pouvons les citer à and plusieurs niveaux. Mais regarde ici, but look at here. Le Seigneur n'explique pas tout, the Lord doesn't explain mais anything. Il dit à son apôtre, he says to his apostle, il dit à son disciple, he says to his disciple, Satan vous a réclamé. Has claimed you. Alléluia. Amen. Nous voyons que ses disciples, you can see that the disciples, le Seigneur les a pris du monde. The Lord has taken them from the world. Il y en a qui étaient des pécheurs. There are those who were sinners. Il y en a qui étaient des collecteurs d'impôts. They were collectors of debt. Ils faisaient différentes choses. And they were doing so many things. Ils ne connaissaient pas la vie avec Christ jusqu'à ce que le Seigneur les prenne et leur demande de les suivre et il leur dit je ferai de vous des pécheurs d'hommes lorsqu'ils commencent à marcher avec lui, lorsqu'ils sont avec Jésus. Il y a des choses qui doivent changer dans leur vie. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Abraham doit quitter
quitter sa famille. Abraham had to leave his il doit quitter sa patrie. And he had to leave his il doit quitter son père. And he had to leave his et father. Aller là où le Seigneur l'envoie. And go where the Lord is la Bible me dit the Bible says la femme d'Abraham, Sarai, ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. She was barren. Et c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Is who made her mais le cas d'Abraham. Le cas d'Abraham, in the case of Abraham, dans la stérilité de sa femme, and in the barrenness of his wife, nous trouvons le même cas we find the same case, dans la vie de son fils, and it's in the life of his son, de son fils Isaac, and it's his son Isaac, sa femme Rebecca, and his wife ne pouvait Rebecca, pas aussi concevoir. Also give birth. Lorsqu'Abraham when Abraham se retrouve avec le roi Pharaon, si j'ai une bonne mémoire. Find himself with the king, Pharaoh, if I have a good memory. Lorsque nous voyons, je laisse cet exemple, je veux prendre Moïse. I'll leave this example and I'll take Moses. Lorsque le Seigneur appelle Moïse, when the Lord called Moses, lorsqu'il prend Moïse, when he take Moses, yes, il y a aussi des choses que Moïse ne connaissait yes, pas. Yes, there are certain things that Moses didn't know. Un jour, il a tué. One day he killed. Et il a fui. And he ran away. Yes, il a fui. Yes, il a fui l'Égypte. He went far away from Egypt. Mais regarde. But look. L'Égypte le réclamait. Egypt was claiming him. L'Égypte le réclamait. Egypt was claiming him. Pour lui rentrer en Égypte. For him to come back to il devrait Egypt. Avoir la protection divine. He had to have the divine protection. Et même lorsqu'il arrive sur le terrain and de Pharaon. When he comes in the place of Pharaoh. Il fallait qu'il y ait 10 plaies. He had to have 10 plaies. Oh my God. Oh Jésus. Dans l'histoire de la Bible, Bible depuis Genèse Genesis, jusqu'à Apocalypse, il y a des réclamations. There are claims. Elles ont multiples et une forme. And then there are multiple forms. Mais à cause des mauvais esprits, because of bad spirits, qui fonctionnent dans la famille, who works in the family, non seulement dans cette génération, not just in just this generation, mais depuis des générations passées, in the past, il y a des réclamations. There are claims. Regardez le cas qui nous a été donné cet après-midi. Look at this case that's been given this afternoon. Cette tante qui a pris les noms des membres de la famille. This auntie who took names of families. Et qui a mis dans un mortier. And put it in the et il a, elle a mis un cadenas. And put a cadenas. Disons que nous n'avons pas eu cette femme qui confesse ce qu'elle avait fait. We didn't have this woman who confessed. Dans les années à venir, in the years to come, il y aurait eu des sérieuses réclamations. Et cela sur la vie des membres de la famille. Que les enfants ne se marient pas. The children don't get married, et nous pouvons les citer. And we can mention des belles filles dans une famille. Beautiful women in des a family, beaux garçons dans une famille. Handsome men mais in les a mêmes family, symptômes. Same ils ne prennent pas soin de leurs femmes. Ou bien ces femmes ne se marient pas. Ça pourrait aussi être un problème de réclamation. Le ministère n'avance pas. Lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, lorsque Dieu appelle une servante de Dieu, yes, il va se, c'est-à-dire Dieu va se rassurer que d'une manière ou d'une autre, que tu excelles quelque part. Si ça ne va toujours pas, il se pourrait qu'il y ait aussi des réclamations spirituelles et cela sur ta vie. Tu es un ministre de Dieu, tu es un serviteur de Dieu qui n'a rien n'arrive pas à porter des fruits à la gloire de l'Éternel. Il se pourrait aussi qu'il y ait des réclamations dans ta vie. Tu as posé des actes. Tu as posé des actes que tu n'as pas encore rectifiés. Tu t'es engagé dans une relation que tu n'as pas encore résolue. Tu sors de là, mais tu ne résous pas le problème. Il peut aussi y avoir des réclamations sur ton foyer et sur la vie de tes enfants. My God. My God. Jésus dit à son disciple, et c'est un grand message pour l'humanité.
l'humanité, humanity, pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui aiment le Seigneur, pour les rachetés de Dieu, et ceux qui n'ont pas encore compris, et qui n'ont pas encore donné leur vie, et cela à Christ Jésus, que ce qui se passe dans leur vie pourrait être le sujet aussi des réclamations. Tu ne dors pas pendant la nuit. Tu dois toujours rêver qu'on vient te demander de l'argent. On vient toujours te demander de l'argent. Sache qu'il y a des réclamations. Qu'on vient te demander tes habits. Il y en a qui ont pris les cheveux. Sache qu'il y a des réclamations. Parfois cela se manifeste sur le comportement de nos enfants. Parfois ce n'est pas parce que c'est nous, mais ça vient sur les enfants. Les enfants changent soudainement leur comportement. Sache qu'il y a une réclamation. Il y a une réclamation. Et ce qui est victime, c'est cet enfant-là qui est tombé dans la drogue, qui est tombé dans la rébellion, qui se comporte contrairement à la discipline qu'on lui donne dans la maison. Sache qu'il y a une réclamation. Alléluia. Jésus dit, Jesus said, Satan. Et nous avons les agents du diable. And we have agent of the devil. Même dans nos familles. Even in our families. Nous allons parler de la grâce de la famille après. We're going to speak about the grace of family after. Mais nous parlons de l'aspect négatif. When we're speaking about negative, nous touchons là où ça ne va pas. We're touching where it's not working. Parce que la Bible dit de condamner le mal. Because the Bible says to condemn the bad. Et nous le faisons dans l'amour de Dieu. And we're doing it with the love of God. Le Seigneur nous révèle clairement. The Lord is revealing his clearly. Les réclamations sont réelles. The claims are real. Les réclamations sont réelles. The claims are real. Il y a plusieurs sortes de réclamations. There are multiple types of claims. Il y a des réclamations spirituelles. The spiritual claims. Il y a des réclamations financières. The financial claims. Il y a des réclamations maritales. The il y a des réclamations claims. Sociales. The social claims. Il y a différentes sortes de and réclamations. Different types of claims. Regarde les réclamations. Look at the claims. Nous avons partagé le verset de la Bible. We share the verse of the Bible, là où cet homme, where this man, au lieu de remettre à son ami sa dette, instead of giving back to his friend his debt, après que son maître le relâchait, after his master released him, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il allait réclamer. He went to claim. Il lui a dit non non non, remets-moi mon argent. No no no, give back my money. Nous avons vu les réclamations. No, we've seen claims. Oh my God. Oh, Saint-Esprit, je suis venu prêcher. Spirit, I came to preach. Alléluia. Levons nos mains, levons nos mains. Lift our hands, lift our hands. Erekele boshata, rababababa. Oh, Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Tu veux parler à la vie de quelqu'un. Oh yes, yes. Esprit de Dieu, Spirit of God. Esprit de vie, Spirit of life. Glorifie Jésus. Glorify Jesus. Et cela au milieu de nous. And this in the midst of us. Parle, parle à ton speak, peuple. Speak to your people. Seigneur, parle à cette âme. Speak to the soul. Seigneur, parle à cette femme. Speak to this woman. Seigneur, parle à cet homme. Speak to this man. Yahweh, parle à cette famille. Speak to this family. Oh yes, esprit de oh, vérité. Yes, spirit of truth. Esprit de vérité. Spirit of tu révèles la vérité. Spirit. Tu dis la vérité. Tu parles la vérité. Tu parles la vérité. Dis la vérité. Dans le nom de Jésus. Parle la vérité. Je suis disposé. Je suis disposé. Je m'abandonne entre tes mains. Je suis un canal, mon Dieu, afin de bénir ton peuple. Je suis un canal, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Ou induis-le ma tête. Que ma coupe déborde. Oh Saint-Esprit. Que Jésus soit révélé. Que Jésus soit révélé. Que le Christ soit révélé. Que la lumière s'éclaire. Éclaire-nous par ta lumière. Par ta lumière cette nuit. Que nous voyons la lumière. Par ta lumière, Seigneur. Que nous voyons la lumière. Révèle-nous la vérité. Dis-nous la vérité.
réalité. Parle-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos oreilles, oh Dieu. Touche nos cœurs. Que notre esprit soit connecté à toi. Que notre esprit soit connecté à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Les réclamations sont comme des liens. Les réclamations sont comme des fils. Elles sont des cordes. They are cords qui relient un bout à l'autre. Who attach one, et qui permettent des connexions. Et les connexions sont très spirituelles. Je parle des réclamations spirituelles. Alléluia. 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 Ces réclamations sont comme des liens. Those claims are like Et elles font outils et usages. And they work. Ils sont utilisés. They are utilized. Alléluia. Dans le monde spirituel. In the dark world. Pour entrer en connexion avec toi. Pour entrer en connexion avec ta vie. To enter in connection with your life. Pour entrer en connexion avec ce qui se passe dans ta maison. To enter in connection with what is happening. Je parle des réclamations spirituelles. I'm speaking of spiritual claims. Je te dis qu'elles prennent multiples formes. I'm telling you that it's taking multiple forms. Parce que la sorcellerie s'est modernisée. Because the witchcraft has modernized. Le monde des ténèbres s'organise chaque jour. Are organized themselves every single day. La sorcellerie moderne. La sorcellerie de ce siècle permet des connexions spirituelles dans une nouvelle manière de faire les choses. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur cette plateforme et l'Éternel me voit pour te donner ce message. Sache que les réclamations spirituelles sont bel et bien réelles. Parfois tu ne sais pas. Parfois tu ne comprends pas. Comment on sait ce que tu fais? À cause des réclamations qui sont comme des antennes. Well, just like antennes. Des antennes spirituelles. Antennes. Je dis au son de ma voix, pendant que nous sommes loin, par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons ces antennes. Nous envoyons le feu. Nous disons faille. Nous disons le feu. Nous disons faille. Que ces antennes, dès ce soir, être brisé au cela au nom de Jésus, que la communication soit brouillée. Alléluia. Les réclamations, ressemblent à des êtres humains qui vous sont envoyés comme si c'était des anges, mais ce sont les œuvres, c'est-à-dire ce sont les envoyés du diable, ce sont les envoyés de l'ennemi qui viennent tout simplement intimider ta vie. Ils sont comme des êtres humains, ils viennent de nulle part, ils se font vos amis, ils se font vos amis, mais ce sont ceux-là qui détruisent votre vie. Ce sont les réclamations. Tu n'as pas de bonnes fréquentations. Tu n'as pas de bonnes personnes. À chaque fois que tu fais un mauvais choix, sache qu'il y a des réclamations. Des réclamations sur ta vie. Je demande au Saint-Esprit de venir faire une séparation. Et cela entre toi et toutes ces mauvaises fréquentation dans le nom de Jésus. Mais requête à ton cosita.
Les réclamations opèrent dans la sorcellerie moderne. Witch moderns witchcraft. Mais ricochulate le makentarema. Des réclamations spirituelles. Spiritual claims. Jésus dit à Simon. Says to Simon, le même Simon, the same Simon à qui il a dit, to whom he said, tu es Pierre, you are Peter, et sur cette pierre, and it's on this rock, je bâtirai mon église. I'll build my church, les portes the door, du séjour des morts of the, ne prévaudront point, will, et cela contre elle. And this was c'est à ce même pied qu'il est en train de dire, Satan t'a réclamé. Satan est venu me voir. Je suis en train de parler. Paraphraser, hein. Ce n'est pas écrit dans la Bible. It's not written in the Bible. C'est moi qui essaie de te montrer. Je dis ceci. Satan est venu. Il regarde Jésus. Il s'assoit avec lui. La Bible dit dans le psaume, dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bon, maintenant la table était dressée. Jésus était assis. Satan était Jésus était à côté de Simon. La table est maintenant été dressée. Soudainement, dans la salle, entre Satan. Il entre et puis dit, Jésus, c'est pas toi que je viens chercher. J'ai besoin de Simon. Simon. Et il dit, and he says, il voulait te gribler comme le froment. He wants to, c'est-à-dire en anglais, il voulait te mash up. He wants to sift you. Il voulait te mash up. He wants to sift it. Mash up. To mash you up. C'est ce que Satan voulait faire à Simon. This is what Satan wanted to do to Simon. Je prends encore. I'm taking again. Simon, is it Simon, tu vois, you see, Satan t'a réclamé has claimed you parce qu'il voulait te, because he wanted to mash you up, to break you, destroy you, demolish you. Maintenant, comprends pourquoi tu as tellement de tribulations. Now understand why you have so many tribulations. Parce que l'ennemi veut arriver à te gribler comme le froment. Because the Satan wants to dribble you like wheat. Je veux, I want you to reflect just on that. Hein. J'aimerais que tu reflètes dans ça. Imagine que c'est à toi que Jésus parle. Imagine it's to you that Jesus Christ is speaking to. Et il te montre, donnez-moi d'autres papiers. Donnez-moi des papiers, s'il vous plaît, donnez-moi la régie. Donnez-moi beaucoup de papiers là. Regarde. Amen. Look. Regarde. Look. I just want you to reflect on that. J'aimerais que le geste que je fais te parle. I want my gest to speak to you. C'est ce que Satan voulait faire à Simon. This is what Satan wanted to do to Simon. C'est ce que Satan veut faire au peuple de Dieu. This is what Satan wants to do to the people of God. C'est ce que Satan veut te faire. This is what Satan wants to do to you. Tu vois un peu? Et tu veux me faire croire que je ne dois pas parler de... You want to make me... Je ne dois pas aider le peuple de Dieu. That I should not help the people of God. C'est ce que Satan fait. This is what Satan does. Il dit, c'est ce que Satan voulait faire de toi. This is what Satan wants to do to you. Oh, quelle douleur. Oh, what pain. Imagine que c'est ta vie. Imagine this is your life. Tu la vois partir and comme ça. Tu as bien commencé, puis soudainement de nulle part. Tu es en train de disparaître. Tu étais entier. Tu étais bien. Mais Satan est venu réclamer. Et à cause des réclamations, voilà les choses. Comment ça?
s'abîmer. Tu commences à prendre de la drogue. Tu n'as plus de vie. You don't have life. Parce que Satan, nous revenons dans 2 minutes. We're coming back in 2 minutes. Soyez bénis. Be blessed. Alléluia. Découvrir les profondeurs de la prière. Il y a la prière.
prières faites parce qu'on est malade. Il y a des prières qu'on fait parce qu'on est dans la joie. Il y a des prières qu'on fait parce qu'on est dans les besoins. Mais la prière que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ce cas n'est pas une prière pour être l'ami de Satan. L'ami of Satan. Mais la prière qu'il est en train de faire, c'est une prière. My God. Il dit, j'ai prié pour toi, Simon. I pray for you, Simon. Ce n'était pas une prière d'un jeu. If it wasn't a prayer of Il y avait un combat. There was a fight. Il y avait un... Ah, Jésus. Alléluia. Yekata tareba. Toi et moi, you and I, nous avons besoin we need que Jésus-Christ Jesus soit à nos côtés et prie avec nous. Pray, nous entrons dans cette quatrième semaine où nous entrons dans la dimension 4. When we're going in dimension 4. My God! On the fourth dimension, Shadrach, Meshach, Abednego, étant dans la fournaise de feu. While in the oven of fire. Merekerebo Shatar. Landarebo Koshata. Alléluia. Nous entrons dans la quatrième semaine. We're entering the fourth week. Alléluia. Le chiffre 4. Number 4. Le chiffre du secours. Le chiffre du soutien. Number of le chiffre 4. Number 4. Je dis le chiffre du secours. Le secours rescue. De l'Éternel. Que tu ne pries pas seul. That you don't pray dans cette fournaise de feu. Je dis dans cette fournaise de feu. Mandakoria lobo shaka. Il y a eu des réclamations sur les compagnons de Daniel parce qu'ils ne se prosternaient pas devant la statue Nabucodonosor et ses juges and et ceux qui travaillent avec lui, ses satrapes. Se sont décidés de créer une loi qui va à l'encontre en défaveur de ce peuple, de ce trois compagnons. Ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Alléluia. My God. Même si ce feu a été chauffé 7 fois plus. Even if this fire was warmed 7 times. Lorsque le roi se réveille le matin, when the king wakes up in the morning, ils n'étaient pas seuls. They were not alone. Il y avait un quatrième. There was a fourth one. My God. Il y avait un quatrième. There was a fourth one. Qui était dans la fournaise. Who was in the oven. Dans cette quatrième semaine. In this fourth week. Que Jésus prie pour toi. That Jesus prayed Je dis for dans you. Cette quatrième that semaine. In this fourth week, que le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Que le Saint-Esprit intercède pour toi. Je dis dans cette quatrième semaine que cette parole de l'Évangile, qui est une très bonne nouvelle, qui peut se faire dans ta vie. Jésus dit à Simon, Jésus te parle aujourd'hui. Il dit mais Simon, lorsqu'il y a mais dans les Écritures, ça annule tout le reste. Ça annule ce qui s'est passé avant. Il dit mais j'ai prié pour toi. Tu sais, hein, you know, je sens le besoin de me mettre à genoux vraiment. I feel the need to kneel down. Mais regarde, je me mets à genoux. Yeah, I'm kneeling down. Alléluia. Alléluia. Je me mets à genoux. I'm kneeling down. Rekemashita. C'est ici que je trouve ma force. This is where I'm finding my strength. Je suis une femme qui a été beaucoup combattue. I'm a woman who has been Quand je te parle, je sais de quoi je parle. When I'm speaking to you, I know what I'm talking about. Ce n'est pas venu d'une seule source. It didn't came from one source. Mais c'est venu de multiples sources. But it came from multiple sources.
Mais j'ai fait une chose. But I've done one thing. Toute ma vie. All my life. Je ne connais rien d'autre. I know nothing else. Que mettre mes genoux. Than to kneel down. Et cela par terre. And même lorsque la mort even if death est venue frapper à ma porte and knocked on my door parce qu'il me réclamait. Because he was claiming me. J'ai fléchi mes genoux. I kneeled myself. J'ai fléchi mes yes, genoux. I kneeled myself. J'ai fléchi mes genoux. Yes, I kneeled myself down. Et I priant, my knees. J'ai découvert by praying, I've discovered que je n'étais pas seul. I was not alone. Que je n'étais plus I seul. I was not alone. Merekalabababa. Je n'étais plus seul. I was not alone. Il y avait toujours quelqu'un. There was always somebody qui était à côté de moi. Beside me. Je pouvais pas le toucher. I couldn't touch him. Je pouvais pas le voir. I could not see him. Mais je pouvais le sentir. But I could feel it. C'est seulement quand je fermais mes yeux only when I was closing my que eyes je le voyais. That I could see him. Il était habillé. He was clothed en blanc. In white. Il était là. He was there. Et il levait les mains and avec he moi. Was lifting his hand parfois with me. Il lève les mains and avec he moi. Lift his hand comme with je me. Le fais avec toi maintenant. When I'm, like I'm doing it with you alléluia. Right now. Ensemble. Together. Mets tes genoux par terre. Put your knees on the floor. Sache que tu n'es plus seul. Know that you're not alone. En entrant dans cette quatrième by semaine, his fourth week, Jésus est avec Jesus toi. Is with voilà you. Pourquoi il dit, je prierai le Père this is what I'll pray et the je Father, lui demanderai d'envoyer le Consolateur. To send the Consolator, vous ne serez plus orphelin pour que vous ne soyez orphaned, plus seul. And you're gonna be le alone, Saint-Esprit, the Holy Spirit, le Consolateur, the helper, le Helper. Alléluia. Amen. Alléluia. Mara papa 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 papa. Demande-lui que tu ne sois plus seul. Ask him for you not to be alone. Que ce soit une réelle expérience avec lui. Qu'il soit à ta droite. Qu'il soit à tes côtés. Et qu'il t'aide à prier. And it helps you to pray. Qu'il t'aide à prier. And it helps you to pray. Qu'il t'aide à prier. It helps you to pray. Entre dans la profondeur de la prière. Ne le fais pas seul. Fais-le avec Jésus. Fais-le avec le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à prendre contrôle dans cette quatrième semaine, dans cette fournaise où tu es. Ce sont des réclamations qui sont en train de parler et cela contre ta vie. C'est pourquoi le feu a été multiplié par sept. Ne décourage pas. Ne désespère pas. Reste dans la présence de Dieu. Seulement ne sois pas seul. Dis-lui Seigneur, soutiens-moi. Dis-lui Seigneur, sois avec moi. Dis-lui Seigneur, affermis mes genoux. Dis-lui, affermis mes mains. Donne-moi la capacité de lever mes mains jusqu'à ce que j'entende qu'il y a un résultat. Un résultat. Un résultat. Requele ma chanta reba baba baba. Alléluia. Manda robo chaka re mama mama. Que celui qui a toujours été avec the moi, one who has always been with me, celui qui a toujours prié the avec one moi, always prayed for me, et qui m'a permis de remporter des victoires, and help me to win victories, qu'il soit à tes côtés, at your side, qu'il soit avec toi, at your side, Jésus, 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 de nous et marche avec ton peuple, marche avec nous, sois avec nous dans cette quatrième semaine. Oui, Seigneur, Ayaya bosotoya ratatata l'andarabosete l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. David est en train de dire qu'un esprit de bonne volonté qu'il me soutienne ce soir, cette nuit, pendant que nous inaugurons la quatrième semaine. Nous élevons nos voix et nous sommes en train de dire qu'un esprit de bonne volonté te soutienne. Marababa, que le Seigneur ne retire pas le Saint-Esprit, mais qu'un esprit de
Seigneur, qu'il te soutienne, qu'il te soutienne, qu'il te soutienne. Moïse a été soutenu, Saul a été soutenu. Qu'un esprit de bonne volonté te soutienne dans la dimension dans laquelle tu es en train d'entrer. Je dis, Moïse a été soutenu, même Sarah a été soutenue, Rebecca a été soutenue, Israël a été soutenu, Jacob a été soutenu. Qu'un esprit de bonne volonté te soutienne toi aussi. Il a fait de toi un enfant de Dieu, il a fait de toi une fille de Dieu. Son of God. Yes. Alléluia. Vas-y, pas plus loin. Nous avons encore 5 minutes. Nous avons encore 5 minutes. Que le feu du Saint-Esprit touche tes entrailles. Deviens fort. Deviens fort. Deviens fort. Deviens fort. Dans l'esprit. Que tu aies la capacité de prier. De prier. Et qu'un esprit de bonne volonté te soutienne dans cette marche. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Que la colonne de feu soit avec toi. Que la colonne de nuit marche avec toi. Rokositere mayende. Alléluia. Jésus dit à Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. La foi est capable de déplacer cette montagne. Ta foi est capable d'arrêter l'hémorragie. Ta foi est capable de briser les autels. Ta foi dans les actes que tu poses, fais-le par la foi. Des offrandes par la foi. Des prières par la foi. Des sacrifices par la foi. Dieu n'a pas dit à Simon, j'ai prié pour qu'il te laisse. Mais il a dit, j'ai prié pour que tu aies la foi. Et que la foi que tu as, qu'elle soit augmentée. Qu'elle ne diminue pas. Qu'elle ne se décourage pas. À cause des problèmes. Parce que l'ennemi veut te décourager. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et dit, lorsque toi tu vas remporter la victoire, affermis tes frères. Aide aussi les autres. Montre-leur comment il faut le faire. Montre-leur ce qu'il faut dire. Afin que eux aussi remportent des victoires. La première chose, mettre les genoux par terre. La deuxième chose, marcher par la foi. Prier dans la foi. La troisième chose, prenez le temps dans le jeûne. Prenez cela au sérieux. S'il y a eu un problème, ou si tu as péché entre temps, demande à Dieu de te pardonner. Demande au sang de Jésus de te sanctifier. Il n'y a pas de condamnation. Avance avec le Seigneur. La quatrième chose, crois que tu n'es pas seul. Crois que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit agit. Il agit en toi. Il agit autour de toi. Il est autour de toi. L'ange de l'Éternel en cinquième position. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel se rassure qu'il nous porte sur les mains de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Yes, nous élevons nos voix, nous prions. Reçois cette impactation. Je suis à genoux dans la prière avec toi. Rebéchande Rebaba. Dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi. Fill me up. Amen. Fill us up, oh Lord. While the name of Jesus is lifted up. Alléluia. Remplis-nous, Saint-Esprit. Fill us up, Holy Spirit. Pendant que le nom de Jésus est élevé. While the name of Jesus is lifted up. Remplis-nous, Esprit de feu. Yes, fill us up, pendant que le nom de Jésus est élevé. While the name of Jesus Christ is lifted up. Donne-nous la capacité. Give us the capacity. De prier pour les nations. To pray for the nations. De prier pour nos familles. To pray for
communauté, pour leur délivrance. Nous voulons dire, Seigneur, épargne ton peuple. Yes, spare your people, Lord. Spare your people. Épargne ton peuple. Que l'ennemi ne ravage plus. Pourquoi dira-t-on parmi les nations? Où est leur Dieu? Where are the God? Alléluia. Yélamos était. Anderebosh la mokoye le bosse. Manderebosh le descendere. Il dit, j'ai prié pour toi. Oh, par la foi. Qu'il intercède pour toi et moi. À partir de ce soir, que l'intensité augmente. Que le tempo augmente. Que la fréquence soit multipliée. Et que à la droite du Père, Jésus intercède pour toi et moi. Qu'il intercède. Qu'il intercède. Alléluia. Vas-y, continue à recevoir cette présence. Laisse que le Saint-Esprit te remplisse. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Let the Holy Spirit fill you up. Yes. Alléluia. Il a fait dans ma vie. He's done in my life. Il le fera aussi avec toi. Ça va être un mouvement fort. It's going to be a strong movement. Ne manque pas de connecter. Do not miss to connect. Le lundi, le mardi, le mercredi, Monday, le jeudi, le Monday, samedi Tuesday, et le dimanche. Wednesday and Friday. La quatrième semaine, the fourth week, est une semaine puissante. It's a powerful week. Prépare-toi à la prière. Prepare yourself in the prayer. Prépare-toi à une profonde prière. In a deep prayer. Nous allons faire des folies dans le Seigneur et avec le Seigneur. And with the Lord. Nous avons prié vers 15 heures pour la guérison de cet homme à l'hôpital. Nous n'avons pas vu cet homme. We haven't seen this man. Nous avons juste envoyé la parole en mission. Il a été guéri instantanément. And he was healed directly. Instantanément. Alléluia. Directly. Il a été guéri. He was healed. Jesus Christ. La gloire de Dieu est the glory of God is amazing. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Tu ne vas plus prier seul. You're not going to pray alone. Disons-lui merci. Let's say thank you to donnez-moi une bonne chanson d'adoration avant give, qu'on termine. If we can have a good, et bienvenue dans la quatrième semaine. And welcome to the fourth week. Yes. Alléluia. Vas-y, élève ta voix avec yeah, moi. Lift up your voice with me. Jésus. Alléluia. Merci au Seigneur pour la grâce, for the grace, pour l'onction, for the anointing, pour la force, for the strength, alléluia. La bonne volonté, the good will, qu'il oigne d'huile ta tête, and anoint your head, que ta coupe déborde, your cup overflow, qu'il dresse devant toi une table en face de ton ennemi. En ce qui concerne les réclamations, que le Seigneur brise ces réclamations. Nous aurons le temps d'en parler. Et nous aurons des sujets de prière. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. My soul bless the Lord. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Seigneur, merci. Et matina moni monanga yo. Alléluia. Le Seigneur est en train de te oindre. The Lord is anointing you. Yes.
Il est en train de relâcher sa force. He's releasing his strength. Hallelujah.
Il est la source qui ne tarit pas. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu et rester dans la même situation. Ceux qui marchent avec l'Éternel renouvellent non seulement leur force, mais ils trouvent leur paix et leur joie. J'ai vu le juste. Il n'a pas été abandonné. Le juste, cette fois il tombe. Cette fois il se relève. Alléluia. Dieu est fidèle. God is faithful. Dieu est fidèle. God is faithful. Va avec cette force que tu God, as. With the faith, with the strength that you que have. Le Seigneur est en train de booster. And the Lord is boosting. Alléluia. Amen. Il est en train de booster the cela. Lord is boosting this. Alléluia. Par Alléluia. La force de l'Esprit. By the force. Nous sommes ensemble. We are together. Donc voilà, nous commençons cette quatrième semaine. So here we're starting this fourth. Nous allons parler des réclamations. We're going to speak about claims. Alléluia. Amen. Alors, certainement vous allez voir so certainly you're going to see différentes sortes d'interventions. Different type of intervention. Préparez-vous. Prepare yourself. Je vous préviens. Préparez-vous à tous égards. Prepare yourself in all means. À tous égards. Préparez-vous. Prepare yourself. Préparez-vous. Prepare yourself. Nous sommes dans la profondeur. We are in depth. Nous avons quitté le 1 mètre. We left the 1 meter. Nous ne sommes plus là-bas. We're not there anymore. Nous sommes en profondeur. We are in depth. Prépare-toi. Prepare yourself. Lundi, nous sommes là à 18h30. Monday, we are in 6:30. Mardi, nous sommes là à 18h30. Tuesday, we are at 6:30. Mercredi, nous sommes là à 19h. Wednesday, we are at 7 o'clock. Jeudi, nous sommes là à 19h. Thursday, we are at 7 p.m. Et nous sommes ici le samedi à 17h30. And we're also here on Saturday at 19h aussi. At 7 p.m. Le dimanche à 13h. And we're also here Sunday at 1 À part cela, nous avons nos Zoom meetings. Apart from that, we have our Zoom meeting. Nous avons nos Zoom meetings. We are Zoom meeting. Où nous connectons. And where we're connecting ourselves. Pour que vous puissiez faire partie. So you can be. You de can cela, join vous avez us. Besoin de vous enregistrer. And for that, you need to register. Merci yourself. Pour tous les connectés de Thank ce soir. Thank you for all the connected of tonight. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. May God bless ce you. Ce que vous avez reçu. What you received. Gardez-le précieusement. Keep it preciously. Alléluia. Ce sont des impactations These que are nous faisons. Impactations that we do. Et nous avons la foi quand nous faisons cela. And we have faith when we're doing this. Je vais vous laisser. I'm going to leave you. Alléluia. 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 Je me retiens de prophétiser en fait. Oh, I'm retaining myself to prophesy. Parce qu'il faut aller en prier, il faut encore rester dans la présence. Because you're going to have to go stay in prayer and Nous revenons tout à l'heure. We're coming back soon. À 17h30. À 18h30. At 6:30. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis. And be blessed. Et revenons à l'Éternel notre Dieu.
Tu sais s'il ne reviendra pas, il ne se répentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. 70 jours de jeûne et de prière, national et international, à partir du 1er novembre 2020. À partir du 1er novembre 2020. Avec l'apôtre Mylène Moudiaï-Bila des Progrès, visionnaire du ministère international Lumière du Monde. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, Océanie, Asie, quel que soit le pays du monde dans lequel tu te trouves, Angleterre, États-Unis, France, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Belgique et citons-les, joins-toi à nous et ensemble, revenons à Dieu afin qu'il revienne à nous. Afin que les mots qui nous frappent s'arrêtent, afin que les réclamations spirituelles qui pèsent sur nous s'arrêtent, ensemble, dans la prière et le jeûne, détruisons les autels maléfiques sur lesquels nos vies sont réclamées. Détruisons les autels maléfiques sur lesquels nos vies sont réclamées. Faisons un avec Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. N'hésite pas à nous faire parvenir tes requêtes de prière via Facebook sur la page Mylène Moudiaï des Progrès Ministry ou par WhatsApp au 0044 79 14 01 70 05. Connecte-toi pour des moments de prière et d'intercession sur notre page Facebook Mylène Moudiaï des Progrès Ministry et sur notre chaîne YouTube Bethel TV Sharing the Gospel Around the World. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Reste connecté, car tout est possible à celui qui croit.